Non, au contraire, le cloud coûte moins cher à court terme et à long terme. En réalité, opérer ses propres infrastructures est très coûteux et très complexe et vous éloigne de votre cœur de métier. Avec le cloud AWS, vous n'avez pas besoin de payer en avance du matériel ou du logiciel, d'en assurer sa maintenance, et vous avez immédiatement accès à plus de 200 services qui vous permettent d'innover et de vous transformer. Les clients avec qui nous travaillons en France trouvent tous un intérêt économique à utiliser le cloud. Prenons par exemple Engie, qui a migré ses solutions SAP dans le cloud AWS et a divisé par deux ses coûts d'infrastructure. C'est le même chiffre qu'on retrouve au PMU, qui a également utilisé le cloud pour héberger ses solutions et a divisé par deux ses coûts. Au-delà du coût, ce que recherchent nos clients en priorité, c'est l'agilité pour innover et se transformer et améliorer leur performance. C'est par exemple AXA qui utilise du machine learning et qui a créé Sherlock, un système qui les aide à lutter contre la fraude. C'est également Veolia, dans ses usines de filtration d'eau, qui utilise de la maintenance prédictive pour améliorer les performances de ses filtres. Ce que nous disent les clients français, c'est qu'en général, ils choisissent le cloud pour l'innovation, mais en même temps, ils baissent leurs coûts.